Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome d'Anguin pour débuter le week-end. Donc ce samedi, voilà, en compagnie des trotteurs, une réunion assez intéressante qui nous attend tout comme le Quintet, hein, qui est relevé, ce sera le Prix de Milan. Quatrième course de cette première réunion, comme vous le voyez, prévue à 15h15, niveau des conditions. Pas forcément besoin d'y aller, hein, des 4 ans ayant gagné au moins 30 000 euros, donc voilà, vous le voyez, c'est une épreuve de qualité, une épreuve sans plafond de gain. On a affaire à une course européenne qui a réuni la plupart des meilleurs trotteurs, que ce soit en France ou même à l'étranger. Enfin, on a juste deux Italiens qui sont au départ, je crois, ou deux, trois Italiens et Géricault. Je sais pas trop l'origine de Géricault. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a affaire à un beau plateau malgré l'absence de Just Gigolo, hein, le leader de la génération française des 4 ans. Quoi qu'il en soit, une compétition qui a réuni 13 concurrents sur 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'auto-start. On les connaît bien, il y a plusieurs courses références. Voilà, je vais pas être très original dans mes choix. J'ai très logiquement retenu le numéro 7, Deus Zac, en tête de ma sélection. Il vient vraiment de faire sensation, enfin il vient de faire sensation, c'était il y a 2 mois. La course référence, regardez, c'était ici, du côté de Caen, hein. C'était lors de la journée du Prix des Ducs de Normandie, une belle réunion. Et justement, il s'imposait en battant notamment Just Gigolo, mais pas seulement. Il battait Juliette Papa Bravo, Jazzy Perrine, Jaguar Mancourt. Bref, il battait la plupart des concurrents qui sont capables de le devancer. Donc, pour le coup, la ligne est excellente. Il est déferlé des 4 pieds. Il a repris de la fraîcheur. Son entraîneur a certainement attendu cette course avant de le représenter. Du côté d'Anguin, il a déjà couru. Il a déjà même gagné sur 1600 mètres, je crois, l'année dernière. Donc, un cheval qui a non seulement de la vitesse, mais qui apprécie cette piste. Avant le coup, il a tout pour plaire, à part peut-être ce numéro 7 à l'extérieur. Mais bon, il a tellement de vitesse qu'à mon avis, ça devrait pas être un problème, d'autant qu'ils sont pas beaucoup au départ. Il n'y a personne derrière lui, donc il va peut-être pouvoir reprendre. Il va pouvoir adopter la tactique qu'il veut, je pense, Benjamin Rochard. Et ce tandem est vraiment capable de confirmer son dernier succès et de lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5, hein, Jazzy Perrine. Elle est un petit peu déçue, hein, dans la course référence. Elle a pas pu faire mieux que 6e lors du prix Camp Basket Calvados, mais derrière, elle a très bien fait, hein. Il y a d'ailleurs une des courses références, regardez, le prix Raymond Foire, c'était le 25 juin dernier. Elle battait non seulement Juni Nudride et Justin Ball, mais également Junior Sport, ou encore Jaguar Marancourt et Just For Lova. C'était en plus sur un parcours de vitesse, hein, qu'elle courait. Elle avait trotté une 10 et fraction. Vous le voyez, son record, c'est une 9. C'est vrai que c'est une jument, une pouliche, pardon, qui a énormément de vitesse. Regardez, il n'y en a aucun qui est capable de descendre sous les 10 au niveau des chronos. C'est quand même assez impressionnant. Elle a couru à Solvalla. C'est peut-être là d'ailleurs qu'elle a son chrono de 1-9, cette Jazzy Perrine. Elle a gagné à Solvalla le week-end de l'Elite Lopette. Je crois qu'on a cette performance, regardez. Ouais, bah c'est là qu'elle trotte une 9, comme je vous ai dit. C'était ici, mais c'est vrai que ce parcours va lui aller comme un gant, même si elle n'a pas forcément beaucoup brillé à Anguin dans sa carrière. Elle a de la vitesse, elle a un bon numéro derrière la voiture, elle est déferrée des 4 pieds. Voilà, c'est vrai que je suis en train de faire un petit peu long, mais quoi qu'il en soit, cette Jazzy Perrine, c'est une toute première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu l'as Juliette Papa Bravo. Elle aussi, elle adore les parcours de vitesse. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Un petit peu comme Deus Zac, elle n'a pas été revue, hein, depuis la tentative sur l'hippodrome de Caen il y a 2 mois. Maintenant, c'est une pouliche qui est extrêmement douée. Elle a vraiment franchi les échelons l'an passé. D'ailleurs, elle a couru une seule fois sur ce parcours, elle s'est imposée. Donc voilà, elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Elle a un très bon numéro derrière la voiture. Je pense qu'elle va courir cachée. Le seul petit bémol, c'est qu'il ne faudra pas rester enfermée, parce que si c'est le cas, ça peut être un peu embêtant. Mais en théorie, elle devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 2 du Nino Drive. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher, à part une ou deux fausses notes dans sa musique. Il répond toujours présent. Il est barré pour les premières places, un petit peu comme à son habitude. C'est vrai que c'est un cheval qu'on a souvent vu courir à ce niveau-là. Regardez, il vient de terminer 4e derrière Jazzy Perrine le 25 juin. Les courses références, regardez, il a souvent couru. Du Nino Rai battu par Just For Lova, Juliette Papa Bravo, c'était justement sur l'hippodrome d'Anguin sur 2008. Mais quoi qu'il en soit, regardez, encore une fois, battu par Juliette Papa Bravo, il répond toujours présent. Il fait tout ce qu'on lui demande. En plus, il a un bon numéro derrière la voiture. Je crois qu'il est plaqué des 4 pieds. Avant le coup, il devrait faire sa course. Alors pour la victoire, comme je l'ai dit, il y a mieux. Mais pour une 3-4ème place, il a largement son mot à dire. Ensuite,
En cinquième position, j'ai retenu le 8, Justin Bold. Je l'adore, Justin Bold. C'est vrai que ça aurait été un 2008, je l'aurais retenu peut-être dans les trois premiers. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup progressé ces derniers mois. Cet hiver, il avait terminé quatrième de la Sulky World Cup pour les 4 ans. Donc un groupe 1 qui se dispute peut-être même le jour du Prix d'Amérique. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval de qualité qui a un gros moteur, qui est très dur à l'effort. Le numéro 8 m'inquiète pas forcément parce que même s'il reprend, à un moment donné, il va y avoir un temps mort et lui, il va venir. Et c'est vrai que même s'il vient en dehors et qu'il est capable et qu'il est obligé de faire le dernier tour, même le dernier kilomètre en troisième épaisseur, il va rien lâcher. Et ça, c'est un avantage pour ce concurrent qui, à mon sens, mérite un très large crédit. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 10, Jericho. Un Jericho qui se frotte à l'élite. Hein. C'est un cheval qui est très estimé par la famille Martens. Alors on va voir, je sais pas s'il y a des courses références avec lui. Je crois qu'il y en a une. Attendez, je vais regarder ça. Jericho, je l'ai vu passer. Ah, voilà, il le prit à Cassilia où il courait avec Just for Lova et Dardozac. C'est une belle course. Hein. Il y avait Just for Lova quand même qui était du parcours de la partie, même s'il n'était pas forcément en mode course. C'est un cheval Jericho qui a montré de la qualité dans des lots légèrement inférieurs en France. Maintenant, il est déféré des quatre pieds. Il est, comme je l'ai dit, estimé. À mon sens, il est capable de rivaliser avec de tels rivaux. Peut-être qu'en deuxième ligne, ça lui coûtera mieux qu'une place sur le podium ou une quatrième place. Mais c'est vrai que vu ce qu'il est capable de faire, à mon avis, il peut regarder ses rivaux droit dans les yeux et pourquoi pas même rivaliser pour une 4-5e place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, Joyner Sport. Joyner Sport, faut le reprendre en confiance. Hein. C'est vrai que ses 4 dernières sorties sont vraiment très décevantes, mais il vaut bien mieux que cela. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Hein. Il a couru quand même des lots qui sont hautes. Regardez sa 2ème place dans le prix Ephraim Howell, où il est battu par Juliette Papa Bravo. Il battait Jazzy Perrine. Il a des références. Hein. C'était l'hiver dernier, certes, mais il a des références à l'attelage. Il peut regarder ses rivaux droit dans les yeux. Philippe Allaire, qui est très confiant. Le numéro derrière l'autostart qui est très bon. Avant le coup, pas mal d'atouts dans son jeu. Si ce n'est ses dernières sorties qui sont un peu en demi-teinte. Le cheval en lui-même, il détient en théorie une belle carte à jouer. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 13 Dundias. Un cheval qui est arrivé dans les boxes de Jean-Michel Bazir il y a quelques temps déjà, enfin il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'il a montré de la qualité en Italie. C'est un cheval qui a pas mal de vitesse, qui a des titres à faire valoir maintenant. C'est pas encore le Pérou, hein, ce qu'il a montré en France. Mais bon, il est déféré des 4 pieds. Je me dis sur un malentendu, ils sont que 13, hein, donc faut faire des choix, mais en même temps, je peux pas tous les retenir, mais surtout, il y en a quelques-uns qui, à mon sens, sont un petit peu hors d'affaire, mais c'est vrai que ce numéro 13 d'Undias, c'est un cheval qui est capable de brouiller les cartes. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Just for Lova. Pourquoi ? Pour sa 2ème place, sur le prix, regarde, c'était où ? C'était le prix de Tonac Villeneuve. Il était battu par Just Gigolo, je crois. Il battait Juliette Papa Bravo, Juninho Dry, Jaguar Wit. Sur cette performance, bon, il était à 109 contre 1. Mais sur cette performance, il a en théorie une belle carte à jouer maintenant. Depuis, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, c'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7 Deus Zach que j'ai retenu en tête devant le 5 Jazzy Perrine, l'As Juliette Papa Bravo, le numéro 2 Juninho Dry, devant le numéro 8 Justin Bold, en 6ème position le 10 Jericho, devant le 3 Joyner Sport et enfin en 8ème position le 13 Dundias, en cas de non partant le numéro 9 Just for Lova, ce qui nous donne en chiffres le 7, le 5, l'As, le 2, le 8, le 10, le 3 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, Deus Zach, c'est vraiment la base intégrale. Il a été préparé pour cette course, il adore la piste d'Anguin, il a beaucoup de vitesse. Mis à part peut-être son numéro derrière la voiture, il a tout pour plaire et il ne devrait pas taper loin. Le numéro 5, ensuite, Jazzy Perrine, qui est en grande forme, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau-là, qui est bien placé derrière la voiture, qui a beaucoup de vitesse. Pareil, pour moi, c'est une base intégrale. Et puis l'As, Juliette Papa Bravo, qui est vraiment impressionnante depuis maintenant un bon moment et qui adore les parcours de vitesse. Pour moi, c'est également une concurrente qui mérite un très large crédit. Donc 7, 5 As, mes 3 préférés dans cette épreuve, même si j'aurais pu citer aussi le numéro 2 du New Drive qui fait toutes ses courses. C'est difficile d'aller contre sa candidature.
Du côté de Vichy, ce jeudi, hein, troisième quintet de la semaine du galop, Roque Joyeux. J'avoue que je ne l'ai pas retenu parce que je ne pensais pas qu'il était capable d'en remporter un deuxième, mais il a été assez impressionnant une nouvelle fois. Et c'est vrai qu'il peut encore viser plus haut, peut-être. En tout cas, il s'impose devant le 10 Quintana Blue, qui surprend un bel code devant le 2 My Charming Prince, le 3 Sir George, et puis le favori Utamaro qui n'est seulement que cinquième. Du côté de nos deux rubriques, Quintana Blue qui surprenait, qui n'était pas forcément facile à indiquer, mais quelques trios rémunérateurs qui ont été indiqués par nos deux rubriques, notamment. Par top prono, hein, 600, 300 euros. Donc voilà, et puis quelques coups de cœur également à l'arrivée. Vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP et puis aussi turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye!